désert, cette boîte. Noël, et brusquement, plus personne ne s'intéresse au cul. Salut, Renata. Bonsoir, cher maître. On ne boit pas ce soir. Je me concentre sur le spectacle. Sidney, sers une bière à mon avocat véreux préféré. Je serais plutôt tenté par un rhum. Rhum? Rhum à quoi? T'as bien du jus d'ananas. T'as aussi des petites ombrelles en plastique. T'en mettras une. Quoi? T'as l'air d'un matou qui a avalé un canari. Je parie que tu vas nous recracher une plume. Bah, je bossais sur un contrat d'acquisition depuis quelque temps qui s'est enfin signé, alors. Une affaire pour Bill Gérard? Non, c'est... Non. Charlie Arglist. Le mystère personnifié. Ça veut dire que tu es riche? Dans ce cas, on pourrait peut-être filer tous les deux. C'est une idée. Quitter Wichita. Et comment que c'est une idée? Au premier de l'an, la ville ferme les boîtes de danseuses nues. Autrement dit, je suis dans la merde. Et me dis pas d'aller m'installer ailleurs dans le comté. L'influence de Bill Gérard dans le comté est à toute épreuve. Et c'est pas le genre à apprécier tellement la concurrence. J'ai pas raison, Charlie. Je pourrais très bien te venir en aide. Si j'étais très forte, je considérerais ça comme une chance. Je suis sérieux. À propos de quoi? Je pourrais t'aider. Toi, Charlie? Et si t'avais cette photo? Du conseiller municipal avec Choupette? Vic a cette photo. Et je sais qu'il me la donnera pas parce que j'ai déjà été très gentille avec lui. Il a pas besoin d'être au courant. Je ne crois pas que tu pourrais m'offrir du plus gentil cadeau pour Noël. J'aurais plus qu'à trouver quelque chose de très gentil pour toi en échange. Non. Laisse tomber. L'intention me touche, mais tu ferais pas le poids. Vic Cavano et Bill Gérard en croque deux comme toi au petit-déj. Sidney! Ouais? Je reviens tout à l'heure pour fermer. C'est contre ma religion de prodiguer des conseils. Mais tu devrais te saouler ou bien te saouler pour de bon.